Comment te sens-tu ? Bien mieux, grâce à Taria. Alors tant mieux. Talgor aussi m'a aidé. Hein, mon grand ? Il paraît que ce chemin était utilisé par les marchands autrefois. Puis le gouvernement a construit une route assez large pour les chariots, et tout le trafic s'y est déplacé. Une route abandonnée qui a fini par devenir un coupe-gorge. C'est ça. Encore un raccourci comme les renégats en raffolent. Quand même, c'est trop dangereux, tu crois pas ? Ouais. On n'est pas assez forts, nous. Même à deux, c'est pas dit qu'on y arrive. T'as un plan, toi ? Parce que moi, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. J'aimerais bien. Là, tout ce que je sais, c'est qu'on a aucune chance d'y arriver, nous. On peut savoir ce qui se passe, messieurs ? Oh, mais c'est qu'il a l'air costaud, ce gars-là. En voilà un qui pourrait faire l'affaire. C'est possible. Mais t'emballe pas trop vite. Faut d'abord que je lui explique. Vous voyez, l'ami, un marchand nous a demandé de retrouver sa petite carriole. Il paraît qu'elle est quelque part dans le coin. Comment un marchand a-t-il pu perdre sa carriole ? C'est une poule mouillée, ce gars. Il a cru que des monstres l'attaquaient et il a pris ses jambes à son cou. Il a tout laissé derrière lui et il nous a envoyé ici. Et pour qu'on la trouve pas malgré tout le temps qu'on a passé à la chercher, c'est que des bandits ont dû mettre la main dessus. Ouais, il y en a qui sévissent sur cette route. Leur repère est à deux pas d'ici. Et ils sont forts, les bougres. C'est pas le genre de bons hommes à qui on pourrait se mesurer, nous. On finirait à l'infirmerie. Vous, vous êtes un sacré gaillard, quand même. Vous voudriez pas vous aventurer dans leur repère et voir s'ils ont pas la carriole du marchand ? Si vous la trouvez, on partagera la moitié de la récompense avec vous. Marché conclu ? Ça me semble raisonnable. Et si ça peut vous rendre service ? Ah, j'ai tout de suite compris que c'était un chic type, lui, dès que je l'ai vu. On a de la chance que vous passiez par là. Le gros des marchandises était des denrées à vendre sur le marché de Poclade. Et il n'y en avait pas qu'un peu sur la carriole, il paraît. Je le sais parce qu'il nous a demandé de lui rapporter l'intégralité de ce qu'il transportait. Je veux bien chercher la carriole, mais je ne peux pas garantir que la marchandise y sera encore. Et évidemment. Vous, vous n'aurez qu'à pister la cargaison. On vous donnera la moitié de la récompense si vous y arrivez. Nous, on s'occupe du reste. Ces deux-là me semblent assez louches. Mais si des bandits traînent dans le coin, autant m'en occuper. Les gars, bougez-vous ! On a de la compagnie. C'est devenu... Et voilà ces voleurs. Et si vous voulez... Adieu ! Viens essayer. Abu ! Une bonne chose de faite. Bon, où est la carriole ? Elle est endommagée, mais ils n'ont pas tout mangé. Eh, hey, on vous a suivi de loin parce qu'on s'inquiétait. Vous avez la cargaison et je vois plus un seul bandit debout. On va pouvoir annoncer la bonne nouvelle au marchand et lui rapporter tout ça. Mais la carriole est cassée. Comment vous allez vous y prendre ? Vous en faites pas pour ça. On trouvera bien une solution. Ouais, et puis on vous a dit qu'on s'occupait du reste. Tenez, la récompense qu'on vous avait promise. Bon, ce fut un plaisir. J'espère qu'on aura encore l'occasion de travailler ensemble. Ah bah non, on va pas l'appeler à chaque fois non plus. Merci encore. On vous embête pas plus longtemps. Vous pouvez y aller. «
Je dois dire que les ponts rosaliens sont de meilleure facture que celui-ci. Les ruines célestes ont l'air solides au moins. Il faut bien que l'on traverse ce ravin. Alors voici Zemeckis. La contrée des dieux. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Il y a bien longtemps, les hommes devinrent si envieux des dieux qu'ils les défièrent pour s'approprier leur pouvoir. Le combat décisif s'est déroulé à cet endroit précis. Enfin, c'est ce que dit la légende. Je me demande ce qui se trouve au fond du cratère. Peut-être qu'il contient des preuves de tout ça. Les dieux remportèrent la victoire et punirent les hommes pour leur insolence. Ils décidèrent de leur infliger deux malédictions. Les émissaires et les pourvoyeurs. Pour être honnête, ça m'a toujours paru étrange de voir les primordiaux et leurs émissaires comme des malédictions. Chez nous, l'émissaire hérite du trône. Bien loin d'être méprisé, il est admiré. Alors quand je lisais cette partie de l'histoire, je me disais toujours que j'avais du mal à comprendre. Tu aimais beaucoup lire, je m'en souviens. Tu avais plein de livres. Quand on était petit. Mes préférés, c'était ce genre de vieilles légendes. Et leurs batailles épiques contre les dieux. Père m'encourageait à lire autant que possible. Il voyait ça comme une forme d'éducation. Tu aimais les histoires de guerre comme tous les petits garçons. C'est époustouflant. Cette vue me ferait croire à n'importe quelle légende. C'est vrai. Nous approchons de Poclade. Bientôt, nous ne serons plus seuls sur la route. Oui, il faut que nous soyons prudents. Clive ? Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien. Ne t'en fais pas. Le marché de Poclade n'est plus loin. Il faut suivre Zemeckis. Encore des réfugiés. Et ils se dirigent tous vers le dominion du cristal. Car ils ne savent pas comment vivre sans les bienfaits des cristaux. Ça ira, ma belle. Oh, c'est bon d'arriver enfin à Poclade. Il n'y a plus qu'au dominion qu'on donne encore des cristaux. Faut vraiment qu'on se dépêche. Je sais bien, mais... C'est ici qu'on doit retrouver Goetz, pas vrai? C'est ça. Il a dit qu'il nous attendrait ici après s'être approvisionné. Je dirais qu'il ne devrait plus tarder. Si on avait su qu'il fallait une carte de marchand pour passer... J'ai des merveilles venues de loin. Approchez, approchez, ça part vite. Messire, puis-je vous montrer ? Combien ? Tout ça pour une seule tranche de pain ? Tu trouveras pas de meilleur prix. Il y a pénurie.
Va voir ailleurs si ça te chante. Malheureusement, l'occupation abusive et illégale du Dominion du Cristal par l'Empire continue. Le passage de la frontière est réservé aux marchands et autres individus se rendant à Port-Gémeaux pour des motifs approuvés par l'armée républicaine. Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste frontière. Faites une exception. Allez faire la queue. Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. Allons chercher Guts, d'accord ? Ah, Guts, te voilà. Clive, je suis désolé, tu cafeteras pas, hein ? Du calme, Guts. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver ? C'est ma carte de marchand, je l'ai plus ! On pourra pas monter dans la caravane sans... Et du coup, impossible de passer le contrôle ! Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi il n'y a pas une minute, mais un petit m'a bousculé. Oh ! Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler ? Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser ? Oh, je sais ! J'ai une amie apoclade qui pourrait nous donner un coup de pouce ! Y'a personne ici qui sache mieux qu'elle ce qui se passe sur le marché. Où peut-on la trouver ? Elle travaille à la caravane écarlate, c'est par là. Y'a un chocobo tout rouge sur le panneau. Une visite s'impose alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien, on se retrouve là-bas. Comment faire ? Il y a tellement de boutiques dans le coin. Cherchons l'enseigne au Chocobo Rouge. L'embarquement se fait devant le point de contrôle. Faut préparer la carte pour pouvoir la présenter aux gardes. Vous avez besoin de mes services ? C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. À prendre ou à laisser. Oh, je ne suis pas là pour ça. Dans ce cas, bonne journée. Attends, Héloïse ! Ils sont avec moi. Tiens, mais c'est toi. Guts. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens te fournir? Il va falloir faire les présentations, je crois. Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème ? C'est ma carte de marchand. Y a un gamin... Il me l'a prise. C'est pas vrai ! Mais comment tu as fait ton compte ? Oh, vraiment ! Guts nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte ? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est... très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul passe et vous avez réussi à le perdre. Ne soyez pas vexé, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le passe. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Depuis que les Dalmecs sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent.
Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées ? Oui, mais non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite, et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire ? C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Goetz est entre ses mains, c'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire. Goetz, est-ce que tu connais un autre moyen d'aller sur les îles de la Croisée ? Ça va vraiment être difficile sans la caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça ? Faudra pas que les gardes nous repèrent. En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord, nous vous aiderons. Sage décision. On parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous ? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Commencez par le marchand de meubles de la Grand Place. Le marchand de meubles, hein ? C'est parti. C'est vous qui fabriquez des meubles ? Vous en cherchez un en particulier ? Ah, je vois que vous connaissez Héloïse, hein ? Elle a dû vous confier une mission. Elle a dit que vous pourriez me parler des vols de cartes. Qu'avez-vous appris ? Eh bien, on sait qu'ils visent surtout les marchands qui sont très chargés. Leurs sacs gênent leurs mouvements. Et comme les voleurs ne sont pas grands, on les remarque moins. Et même quand ils les voient, les victimes ne connaissent pas les parages aussi bien que les chapardeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Goetz. Notre amie la poissonnière mène aussi l'enquête sur ces petits schnappants. Vous feriez mieux d'aller la voir. J'irai. Merci. Allez, messire, il est frais, mon poisson. Attendez une minute. Oui, cette broche. C'est Héloïse qui vous envoie ? Elle poursuit son enquête. Et elle veut que je participe. C'est vrai, ça ? Faut que je vous parle des enfants, alors. Les marchands ont tous dit que les enfants étaient très sales. Et vu leur guenille, il est probable que ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Des sans-abri. Tout porte à croire, selon les témoignages, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants sans famille ? Ouais, je pense. Vous avez dû voir les réfugiés à l'entrée de la ville. Ils rêvent tous de commencer une nouvelle vie au Dominion ou ailleurs, et certains sont prêts à abandonner tout ce qui les en empêche. Même leurs propres enfants. Ça me rend malade. Il faudrait demander aux enfants s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Tu as raison. Vous pourriez commencer par ceux qui traînent ici. Je crois pas qu'il soit coupable, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci du conseil. Allons-y. Parlez aux enfants. Un vrai jeu d'enfant. Est-ce qu'on peut parler ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu ne saurais pas si quelqu'un cherche à chaparder des objets à d'honnêtes marchands. C'est une blague ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pourquoi on irait voler ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Rien, à part de très gros ennuis. Reste loin de ces gens-là. Moi, je vais demander ailleurs. Dis, est-ce que je peux te poser quelques questions ? Si vous voulez. J'aurais voulu savoir si quelqu'un t'avait demandé d'aller voler des objets pour lui, par exemple. Les adultes aiment pas les gamins dans mon genre, alors pourquoi on viendrait me demander ça ? Et moi, j'aime pas les adultes, alors laissez-moi tranquille. Désolée. Et merci quand même.
Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas un guide à vous donner. Tout va bien, on a juste quelques questions. On ne te veut aucun mal. Des questions? Il paraît que quelqu'un de méchant force les petits-enfants à commettre des vols. Est-ce que ce méchant serait venu t'embêter aussi? Il y a personne qui est venu me voir, juré. Mais mon ami, Hanza, lui, il paraît qu'il a un travail. Et il dit que c'est dangereux. On tient une piste. Nous allons devoir lui parler. Tu sais où est Hanza en ce moment? Il est souvent vers l'entrée du marché. Merci, tu as été d'une grande aide. C'était vraiment une andouille, ce gars-là. Ce serait tellement bien si c'était toujours aussi facile. Ouais, mais je sais pas si on a bien fait de leur donner la carte. J'ai vraiment l'impression qu'ils profitent de nous. Ce qui est fait est fait. Si on leur désobéit, ils hésiteront pas à nous tuer. Les enfants, vous pourriez peut-être m'expliquer de quoi vous parlez? Des gardes! On va avoir des ennuis, ils savent tout! Qu'est-ce qu'on va faire? Pas question de me laisser attraper! Je me tire! Hanza, où tu vas? Alors c'est lui, Hanza, hein? Jill, je te laisse, c'est de là. Je vais le rattraper. Compris. Il ne doit pas être loin. Je vais fouiller et regarder dans les recoins. Hanza, je te ferai aucun mal. J'aimerais juste qu'on discute un instant. Bien, je dirai tout ce que je sais. Je m'intéresse à ceux qui vous envoient voler ces pauvres marchands. Qui sont-ils? C'est les gars des lapidaires. Ils m'avaient promis un paquet de guilles si j'obéissais. Je savais que c'était mal, mais j'avais pas tellement le choix. Quand on n'est qu'un orphelin, faut bien trouver un moyen de manger. Et si j'avais refusé, ça les aurait pas dérangés. Ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Hanza. Clive, on est là. Jill, et les deux enfants? Héloïse est venue prendre ma relève pour que je parte à ta recherche avec Guts. Oh, okay. C'est lui! Si c'est ta carte que tu veux, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai refilée au lapidaire. Même si vous me torturez, je peux rien pour vous. Mes amis ont besoin de manger. Alors je suis bien obligée de marcher dans la combine. Ordure. Croyez-moi, vous ne forcerez plus les enfants à commettre des vols. Non, un instant.